Kommen Sie her, schnell, los! Ich. Ah, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Hat Historien. In diesem Video werde ich über eine unverwechselbare Kopfbedeckung sprechen. Sie repräsentierte eine ganze Ära deutscher Geschichte, die geprägt ist von preußischer Herrschaft, Militarismus und der Bildung des deutschen Staats. Die Pickelhaube. Le casque à pointe, appelé parfois par son nom allemand de Pickelhaube, de Pickel, pic, et Haube, bonnet, est une image très associée à l'Allemagne impériale, utilisée beaucoup dans la propagande lors de la Première Guerre mondiale. Le casque à pointe typique est généralement fabriqué en cuir, avec une plaque sur l'avant et une pointe décorative en laiton sur le sommet. À travers l'influence militaire de l'Allemagne, vers la fin du XIXe siècle, il se répandit à d'autres pays, particulièrement en Amérique du Sud, où il est encore utilisé. Bien qu'il ait été abandonné en Allemagne après la chute du Kaiser, il reste encore aujourd'hui un symbole puissant du pays dans certains groupes, particulièrement dans les pays anglophones. Alors voyons pourquoi les soldats allemands portaient une grosse pointe sur leur tête pendant plus d'un demi-siècle. Des guerriers ont porté des casques pointus ou coniques depuis l'Antiquité, avec des exemples pouvant être vus sur les troupes romaines. Ils étaient populaires au début du Moyen Âge, particulièrement en Europe du Nord avec les Vikings ou les Normands, ainsi qu'au Moyen-Orient avec les Perses. Au-delà de l'esthétique, il y avait une raison pour cette forme pointue. Ce type de casque, souvent porté par les soldats à pied plutôt qu'à cheval, permettait de protéger contre les attaques venant du dessus, en déviant l'épée vers le côté. D'autres styles finirent par le supplanter en Europe, parfois avec des crêtes pour la même raison, de déflexion. Mais le style pointu resta populaire en Perse et dans l'Empire ottoman. Les Ottomans portaient un casque turban qui, comme son nom l'indique, était souvent porté au milieu de turban, avec la pointe qui dépassait. Les Perses, quant à eux, portaient un casque qu'ils appelaient le Kulakoud, et y ajoutèrent souvent une grande pointe qui ressemblait à un fer de lance. Ces pointes étaient purement décoratives et n'étaient pas conçues pour être utilisées comme armes. Vous pouvez vous imaginer charger la tête la première À travers l'influence ottomane et perse, des casques pointus avec des pics se répandirent et devinrent populaires parmi les populations musulmanes d'Asie centrale et d'Inde. Chaque culture développa ses propres variantes, certaines avec des grandes pics, d'autres juste avec une forme pointue. En Asie centrale, le style se répandit particulièrement avec son adoption par les envahisseurs mongols et influença la forme des casques des Russes de Kiev, les précurseurs de la Russie, qui incorporèrent de petites pointes dans leurs casques et ceci devint courant avec les conquêtes russes. Ce style de casque devint associé aux bagatirs », des personnages du folklore russe. La popularité de ce style varia, restant très populaire en Perse et en Inde, mais disparaissant en Russie où il fut remplacé par des tricornes ou des shakos. Néanmoins, après les guerres napoléoniennes, avec un renouveau de ferveur patriotique, le tsar Nicolas Ier voulait changer l'allure de ses troupes pour les rendre uniques et reconnaissables. Il créa une nouvelle coiffe qui aurait été inspirée d'un casque trouvé dans un champ par la fille d'un paysan, qui aurait appartenu à Yaroslav II, duc de Moscovie au XIIe siècle. Ce nouveau casque était un dôme en cuir avec une grande pointe à son sommet auquel on pouvait attacher une plume décorative. Les Russes ne l'utilisèrent pas pendant très longtemps, le remplaçant avec une casquette plus pratique. Mais le style refit surface après la Révolution avec la Boudénovka, dont j'ai parlé dans la vidéo sur Louchanka. Alors, donc, je parle depuis tout à l'heure de Perse et de Russe, mais cette coiffe est associée au stéréotype allemand. Alors, vous vous demandez sûrement ce que les Allemands viennent faire dans tout cela. On y vient, on y vient. De même que la Russie, la Prusse voulait remplacer ces shakos napoléoniens qui, bien qu'imposants, étaient lourds, encombrants et ne protégeaient ni des coups ni des éléments. Selon la légende, le roi de Prusse Frédéric Guillaume IV vit un modèle du casque russe sur le bureau du tsar Nicolas Ier lors d'une visite d'État, et lui trouvant de l'allure, décida de l'imiter. La vérité de cet épisode, ou s'il les a simplement vus en parade, est inconnue, mais il s'est pris fortement du style et ordonna aux troupes de l'armée prussienne de les porter en 1842. Le premier modèle était assez haut, entre 34 et 36 cm, mais sinon ressemblait assez à ce qu'on imagine quand on pense à un casque à pointe, avec un aigle sur le devant et une Pointe à son sommet. Au fil du temps, les troupes s'aperçurent que ce modèle était un peu trop haut et encombrant sur le terrain, et en 1857, il fut redessiné pour être plus proche de la tête. Entre-temps, l'influence de la Prusse sur les autres États germaniques, l'Allemagne n'étant pas encore unie, leur fit adopter également, ajoutant leurs propres insignes. Dans le demi-siècle qui suivit, les modifications au casque à pointe furent surtout esthétiques, avec quelques réductions de la hauteur additionnelle et un changement léger de la base de la pointe ou de la jugulaire. La renommée de la Prusse et à travers elle du casque à pointe se répandit avec la victoire contre la France en 1870 et l'unification de l'Empire allemand. Le prestige militaire allemand fut à son zénith et ils commencèrent à envoyer des conseillers dans d'autres pays pour réformer leurs armées suivant leur modèle. Le casque à pointe était la coiffe standard des armées du nouvel empire, avec seule la très indépendante Bavière résistant jusqu'en 1887. Et il fut adopté par ses armées influencées par lui, par exemple en Scandinavie et tout particulièrement en Amérique du Sud. Avant, ces armées sud-américaines avaient un style plutôt français, portant des képis, comme je l'ai dit dans la vidéo sur ce chapeau. Mais après la défaite de la France, les armées du Pérou, de la Colombie, de la Bolivie, et particulièrement du Chili, ont adopté des uniformes de style allemand, y compris le casque à pointe. D'ailleurs, au début, ils les importaient sans modification, et portaient l'aigle impérial allemand, avant de le remplacer par leur propre symbole. C'est à peu près à cette époque que les Russes ont abandonné les leurs, peut-être car il était devenu trop associé à l'Allemagne. Vers la même époque, des casques avec des pointes de verre populaires dans l'armée britannique, bien que dans cette instance, ce n'est pas par influence germanique, mais plutôt un ancêtre commun. Le modèle britannique, appelé Home Service Helmet, est généralement en liège recouvert de feutre. Il fut influencé par la présence des Britanniques en Inde, où ils portaient des casques coloniaux avec des pointes. Ceci était l'héritage de style perse dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se répandit en Inde. Quand les Britanniques l'ont adopté, ils l'ont répandu eux-mêmes vers leurs autres colonies. Et certains autres pays, comme les États-Unis, l'ont inclus dans leurs uniformes d'apparat. Ce casque était plutôt une évolution parallèle, mais le succès du casque allemand a probablement contribué à sa popularité. L'Allemagne continua de porter le Pickelhaube après la fin du XIXe siècle, mais ils avaient commencé à le recouvrir d'une housse en tissu pour le rendre moins visible. Il était la coiffe standard de l'armée allemande lors de son entrée dans la Première Guerre mondiale. Sa forme reconnaissable le rendit utile dans la propagande contre l'Allemagne, et il était un trophée prisé à capturer pour les troupes alliées. Mais cette guerre marqua aussi sa fin. Une guerre d'un nouveau type, ce conflit montra les faiblesses de ce casque. Bien que sa construction en cuir lui permit de protéger des coups de sabre, il ne faisait rien contre les éclats d'obus qui devinrent courants dans cette guerre. Dans les tranchées, sa pointe rendait les soldats trop visibles, sa hauteur donnant leur position lorsqu'ils essayaient de regarder par-delà le bord. La pointe fut rendue démontable pour le rendre moins visible, et à cause des pénuries de cuir, des versions ersatz en feutre, en métal ou même en carton furent fabriquées. Les ornementations en laiton furent remplacées par des versions en étain qui ne brillaient pas. Mais comme avec les képis des Français, la quantité de blessures à la tête força l'armée allemande à le remplacer avec un casque en acier, le Stahlhelm, en 1916. Les officiers, plus traditionalistes, continuèrent à le porter en retrait du front, car ils étaient réticents à abandonner un tel symbole. Mais cette pratique prit fin avec la chute de l'Empire en 1918, car le casque à pointe était associé à l'Ancien Régime, et il fut abandonné de façon permanente. Du moins en Allemagne. Bien que son pays d'origine y renonce après la Première Guerre mondiale et ne le réintroduit jamais, Probablement car ses connotations militaristes étaient peu bienvenues dans l'Allemagne d'après la Seconde Guerre mondiale, il reste un élément d'uniforme d'apparat dans plusieurs pays. Les gardes-royaux suédois en portent une version en métal, ainsi que certaines unités militaires dans les pays comme la Colombie, la Bolivie ou le Chili, qui conservent les influences prussiennes dont j'ai parlé. Le modèle britannique est encore utilisé par des unités comme les Blues and Royals, et il existe dans des pays influencés par l'Angleterre comme la Thaïlande ou la Jordanie. L'armée de Mongolie emporte une version inspirée des casques médiévaux qui furent l'inspiration d'origine de ce casque. De plus, il reste une forte image culturelle de l'Allemagne impériale et des personnages qui en sont des caricatures en sont souvent affublés. Des modèles bon marché en plastique sont parfois portés par des fans de sport allemands, souvent avec les couleurs du drapeau allemand. Le casque reste donc un accessoire fortement associé à l'Allemagne aujourd'hui. Et bien que l'armée l'ait abandonné, peut-être qu'il pourrait changer d'avis car. Vous pensez pas que la Bundeswehr aurait de l'allure avec ça Donc j'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.